vais prendre celui qui a l'air le plus essoufflé. Bonjour. Alors, le prénom déjà avant qu'on démarre. Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour. Ça a l'air d'être épuisant cette affaire-là. Bah, c'est très épuisant parce qu'en plus, on n'a pas de limite. Ouais. Donc là, on a 40 secondes pour envoyer le maximum. Donc forcément, quand on a envie de repousser ses limites, on envoie le maximum. C'est pour ça que je suis essoufflé. Alors, l'idée, c'est de se dire combien de fois il y aura 40 secondes. C'est ça la vraie affaire. Parce que si on donne tout en 40 secondes, on est cramé. C'est ça. On a sur un exercice, on va donner 40 secondes. Après, on a 20 secondes de récup ou 15, je ne sais plus. Et là, après, on repart pour 40 secondes. Donc, l'important, c'est de savoir se gérer. Sur un temps donné de... Là, on a fait 4 minutes. Voilà. Donc après, je ne sais pas s'il y a d'autres programmes. Je pense qu'il y en a d'autres, certainement plus longs. Donc à ce moment-là, il faut savoir mieux se gérer. Et là, finalement, première impression ? Première impression, très très bonne. Parce que j'ai bien aimé le fait que ça soit comptabilisé. Contrairement à d'autres cours, avec un coach, on ne sait pas forcément si on a fait un bon score ou un mauvais. Alors là, tu es en train de me dire que c'est mieux qu'avec un coach. Attention ! Je veux pas dire ça, mais je trouve que le fait que ça soit à l'écran, avec des capteurs électroniques, on sait exactement le nombre de répétitions qu'on a fait, et je trouve ça intéressant. Donc, prêt pour repartir ? Parce que là, on a mangé les 15 secondes de récup. Ah ouais ? Allez, c'est parti, on repart.